Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Odyssey. Donc c'est le Let's Play, nous en sommes au tout premier. Écoutez, on va commencer ce petit mode histoire. Donc ce nouvel Assassin's Creed qui est après donc Origins. Alors techniquement, l'histoire se passe 400 ans avant. Donc on n'aura pas vraiment des assassins, enfin en tout cas pas l'ordre. Parce que comme on a vu, il a été créé à partir d'Origins. Donc là, ça sera je pense une histoire un peu plus à part. Cependant, ce sera toujours avec les anciens et tout, donc bon, ça sera lié avec la mythologie. On va commencer ça, donc c'est parti. Naturellement, on va se faire une petite nouvelle partie. Ah, d'ailleurs, je viens de voir, regardez, sur le côté, il y a un petit contenu exclusif, Twitch Prime. Donc pour ceux qui sont abonnés, vous pouvez récupérer un petit skin. Le grand seigneur avec équipement expédié, c'est pirate de la mer Égée. Ok, bah écoutez, c'est simple, hein. Vous avez la petite vidéo sur la chaîne hein, pour vous faire un compte, hein, vous savez, qui dure 6 mois. Donc, à mon avis, ça fonctionnera pareil, comme pour Fortnite. Vous prenez directement un compte que vous activez, vous pourrez récupérer le patch. Donc, on fera ça. On verra ça plus tard. Bon, allez, c'est parti pour la nouvelle partie. Nous sommes prêts. Dis-moi, Dianekes, es-tu déjà allé pêcher avec ton fils? Non, jamais. Je n'ai jamais connu que la vie de soldat. Moi, j'aurais bien aimé aller pêcher avec mon fils. Un autre sort nous attend. Spartiates ! Chaque instant de votre existence vous a conduit à ce moment. Chaque goutte de sang, de sueur, chaque larme, tout cela vous amenez à l'endroit où vous vous tenez, maintenant! Les Perses sont venus ici, avec la prétention de nous asservir! J'ai une meilleure idée! Prenons-leur quelque chose, leur sang, pour y baigner nos dieux! Qu'en dites-vous, Spartiates? Pour nos fils! Pour nos filles! Oh, ça va faire du 300 là. Ok. Alors, R1 pour une attaque légère. D'accord. Ah, une petite ruée de taurine. Oh. Yeah.
Je rentre dedans. Oh. C'est pas ma foi, je pense que c'est génial. Alors qu'est-ce que tu fais toi? Allez viens là toi là-bas. T'es le prochain sur ma liste. Qui est là-bas. Hop, on va le rejoindre. Je suis là, mon ami. Oh, pas content de lui, hein. On va s'occuper de son cœur. C'est parti. Martial, j'apporterai ta tête à Xerxes. Alors, verrouillé, ok. Xerxes envoie ses moutons au sacrifice. Approche, Perse. D'accord. J'apporterai ta tête à Xerxes. Spartiate insolent. Viens la chercher. D'accord, on peut même plonger, ok. Non, c'est marrant, les techniques de combat sont pas du tout les mêmes que sur Origine. Pas du tout avec les mêmes touches, du coup c'est un peu perturbant. Parce que j'étais vachement à fond sur tout ce qui était Origin, donc je le connaissais vachement bien. Mais là c'est un peu plus différent. D'accord. Mon fils se bat mieux que toi. Quand j'en aurai fini avec toi, mon roi, tous les fils de Sparte deviendront les esclaves de Xerxes. Les fils de Sparte préféreront la mort. J'accorderai cette faveur. Tu te pavanes moins sans ton armée pour te protéger. Alors pourquoi saignes-tu autant? Oh bah tiens, et bim. Tiens, ça c'est pour... c'était une angine, je t'arrache la gorge. Ah, pas de quartier, ça c'est clair. Éclatez-les. Nous sommes des Spartiates. Petit trophée obtenu. Un petit clin d'œil à 300 d'ailleurs. Trahison, mon roi. Xerxes connaît le chemin contournant la montagne. Ils arrivent. À l'aube, vous serez complètement encerclés. Nous sommes des Spartiates. Et nous le resterons. Spartiates. Ce mot n'aura plus aucune valeur quand Xerxes aurait anéanti ta nation. Ah ouais. Ah, c'est un peu plus gore quand même. Aujourd'hui est un jour que les Perses ne pourront jamais oublier. Et demain sera un jour dont le monde entier se souviendra. Enfin. Waouh, c'est du lourd, Leïla. Tu crois vraiment que c'est la lance? C'est bien elle. Le livre était juste au-dessus, ou presque. Je n'avais jamais eu autant de chance de ma vie. Bon, démarrons ce truc. Tu crois qu'on peut se fier à cette chose? Je veux dire, ce livre pourrait... Lance-le, Victoria. C'est toi le boss, boss.
Je vais te le préparer. Bon alors, il faut que tu saches que depuis ton dernier séjour là-dedans, j'ai fait quelques changements. Difficile de suivre le rythme de la technologie ces temps-ci. Je peux pousser la simulation à la synchronisation sensorielle maximale, si ça te tente. Ah bien sûr, on va rester en normal. Ouais, on pourrait... De toute façon, il y aura un mode New Game Plus, donc j'augmenterai la difficulté, ça c'est sûr. C'est pas la peine d'aller trop vite. D'accord. Si tu veux quelque chose d'un peu plus intense, je pourrai toujours modifier les valeurs plus tard. Ça m'indiquera le volume d'informations qui te sera transmis pendant ton séjour dans l'Animus. Ah ouais, mode guidé ou exploration. Attends. Moi j'ai toujours eu l'habitude du mode guidé, c'est-à-dire on savait où était la quête, mais ça m'empêchait pas de faire les quêtes annexes. Les marqueurs sont affichés en permanence, les objectifs de quête vous sont automatiquement transmis. Bah ouais, mais une approche plus neuve du style de jeu. Le joueur doit explorer le monde afin de découvrir la cible et objectif de quête. Ouais, bah comme je vous fais des let's play, le problème c'est qu'on va pas perdre 20 ans à chercher. On va commencer comme ça. Je ne veux pas. Et dans le mode New Game Plus, évidemment, on fera tout le contraire. Tu pourras toujours changer d'avis plus tard. Écoute Layla, avant que tu y ailles. Si ce livre a raison, cette lance, cette histoire, ça va tout changer. Tu t'appuies sur une source qui est loin d'être fiable. Historien ou pas, ce type a écrit à propos d'objets magiques et de la volonté des dieux. Ce n'est pas Homère. Hérodote a été le premier historien de l'histoire. Alors il y a quand même beaucoup de vrai dans ce texte. Après tout, le meilleur moyen de trouver des artefacts issus, c'est de faire confiance au mec qui a rencontré un descendant. Je sais, mais il faut que tu me fasses confiance. T'as peut-être raison. La lance et le livre sont peut-être des fausses pistes. Mais quelque chose me persuade du contraire. Et je vais pas laisser Abstergo prendre l'avantage. D'accord, d'accord. De toute manière, on n'a pas grand-chose à perdre. Il y a quand même un petit problème. Ah, lequel ? Ce manuscrit est dans un sale état. Et je pèse mes mots. L'ADN trouvé sur la lance relève de deux individus distincts. Tu vas devoir choisir quel brin d'ADN tu veux utiliser. C'est à toi de voir. Eh ben, on va recommencer avec Alexios, bien sûr. Après, c'est vrai que dans... On n'a jamais eu vraiment d'assassin femme. Bon, mis à part dans Syndicate, bien sûr. Mais bon, c'est pas quelques fois où on l'a incarné. Mais bon, on va faire avec Alexios. Il nous mettra sur le bon chemin, j'en suis sûr. D'accord, boss. On va pouvoir y aller. Direction l'an -431. Le début de la guerre du Péloponnèse. Bonne chance là-bas. Je ne veux pas te mettre la pression, mais... On compte tous sur toi. Abstergo n'a aucune chance de gagner cette fois. Si ce bouquin dit la vérité, et si on trouve l'artefact, les assassins auront enfin l'occasion de se relever. Je sais que tu vas y arriver. Oh, hé, Victoria, lis-le ce livre. Il contient des secrets que je ne pourrais pas trouver toute seule là-dedans. À tes ordres. Descends de là!
Le Cyclope a un message pour toi. Dis à ton chef qui peut s'asseoir dessus. C'est pas la semaine dernière. Ouh là 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 là. Ouh. Le Cyclope a dit que tu aimais jouer les durs. Alors vas-y. Approche un peu et je vais te montrer. Tu devrais le savoir depuis okay. Le temps. Le Cyclope récupère toujours son argent. Va te donner une leçon. Le Cyclope ah bah je crois que le son. Dis-lui de venir en personne. Je crois que le son. Pas du Cyclope. Ah, le son, c'est moi qui la donne. La semaine dernière. Chaque semaine, c'est pareil. Je commence à en avoir assez. Ah. Merci de m'avoir prévenu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien, Foyibé. Tout est réglé maintenant. Encore le Cyclope, hein? Il n'a pas encore compris? Faut croire que non. Bah voyons. Sers-toi, je t'en prie. Tu as faim, Icaros? Tu crois que Zeus me ferait cadeau d'un aigle comme il l'a fait pour toi, Alexios? Tu pourrais peut-être lui demander. Alors, là c'est maintenant c'est nouveau, on a des choix, donc ça c'est génial. Donc c'est soit on est un petit idiot et on l'envoie chez en lui disant encore cette histoire, soit on joue, c'est une gamine, donc d'un côté moi je vais être sympa avec elle. D'accord. J'essaierai de lui en parler. Enfin. Bon, qu'est-ce qui t'amène ici? Oh, j'ai failli oublier. Il y a Marcos qui veut te voir. Et qu'est-ce qu'il me veut, cette fouine? Je ne sais pas. Il veut que tu ailles à sa nouvelle maison, dans son vignoble. Attends, un vignoble? Malaga! Il est sur la route de Samy. Il dit que son vin va le rendre très riche. Alors, depuis quand Marcos a-t-il un vignoble? Où ça, sur la route de Samy? Et je vais aller le voir. Bon. On va essayer de poser des questions quand même. Ce magnifique domaine de Marcos. Tu vois la statue de Zeus sur le mont Aïnos? C'est un peu plus au sud. Depuis quand il a un vignoble? Depuis hier, je crois. Donc, Marcos, qui me doit de l'argent, achète des vignobles. D'où il les sort, ces drachmes? Je n'en sais rien. Bon, allez. Eh bien, je crois que je vais lui rendre une petite visite. Merci, Fouibé. Je vais dire à Marcos que tu arrives. On pouvait y aller ensemble, c'était pareil. Oh, ma tête! Alors, choix. Vos choix auront des conséquences visibles et invisibles. Réfléchissez bien, car certains de vos actes influeront sur l'histoire à titre définitif. Ah ouais, c'est ça. Donc là, faut faire très attention. Donc, c'est soit vous êtes mort, je les éclate, soit ils fichent le camp d'ici. Sachant que le mec, ça a l'air d'être un bandit. Enfin, le cyclope, c'est un mec qui a pas l'air très bien. C'est soit on l'éclate tout de suite, mais vous êtes mort d'un côté. J'ai pas de raison de les buter. Eux sont juste des messagers, donc... Bon, vous savez quoi, on va tenter d'être gentil pour une fois, et si jamais on voit que ça tourne mal, la prochaine fois, on tue tout le monde. Dégagez, et dites au borgne que s'il vous envoie encore ici, je lui arrache l'autre œil pour le donner à mon oiseau. Voilà, au moins c'est une bonne réponse. J'irai voir Marcos dès que je serai en tenue. Ah, apparemment j'ai un compte bonus, ça a été activé sur votre compte, vous recevrez davantage de XP à chaque occasion. Les quêtes des secrets de la Grèce. Ah mais oui, c'est parce que comme j'ai acheté une édition collector,
En fait, il y avait des contenus bonus dessus. Donc, récupérez votre équipement, d'accord. Donc ça doit être forcément là, hein. Récompense de club. Ouais, il y a pas mal de trucs, quoi. Ah, c'est pas mal. Bon. Ok, hop. Je dois passer ça. D'accord. Alors, le menu d'inventaire. Hop. On va découvrir ça. Donc, on a la même interface que sur Origin. Donc ça, il l'avait dit, hein, on aurait pareil l'arc, l'épée, tout ça. Donc tout ça s'améliore jusqu'au légendaire. Il y a juste des points qui sont plus poussés, c'est-à-dire que là, on va jusqu'au casque. On va sur chaque élément, le torse, les genoux et tout ça. Donc à partir de ce côté-là, ça s'améliore. Donc on a une épée de bandit, mais est-ce qu'on a autre chose? Oui, on a d'autres trucs. Donc ça, ce sont les packs. Ouais, ce sont les packs en fait que j'ai. Donc il y a des niveaux à avoir. Donc de toute façon, pour le moment, on ne pourra pas les équiper, mais on le fera. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a quelque chose, c'est quoi? Ça, c'est l'objet de quête. Donc de toute façon, on ne peut pas y toucher. Et à mon avis, à chaque fois, c'est pareil. Voilà. Donc là, on a un couvre au chef du crépuscule. Donc ça doit être de Chronos, je pense, non? C'est peut-être pas le pack de Chronos. Mais voilà, en tout cas, de toute façon, il faut qu'on attende le niveau 5 pour pouvoir les équiper. Donc on le fera. Là, pour le moment, c'est mort. On va juste mettre l'armure comme conseillé. Ici, pareil. Tac, tac, tac. Voilà. Enfin, effectivement, on commence tout en bas. Hein. Voilà. On a tout désactivé. Il y avait encore un truc de l'inventaire que j'ai pas vu là. Non, c'est bon, on a tout. Ouais, c'est bon. Ok, bon, on est équipé. C'est parti. Donc là, voilà l'éveil. Bon, ben, on en est là. Allez. Ouais, voilà, on est un peu mieux. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que du coup, on va se stopper là. On a fait l'introduction et tout, on a la mise en place de l'histoire. Bon, là, on découvre à peine le héros. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter ici et on va continuer la suite sur une prochaine vidéo. Donc, on ira voir ce fameux Marcos. Puis, bah écoutez, bon, bah, petit à petit, l'histoire va se faire. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Ciao. Alors, bonne chance.